Bordé par l'Atlantique, le lac Tchad et l'Équateur, bat le cœur de l'Afrique, le Cameroun. Terre de diversité, ce pays méconnu ne cesse d'accumuler les contrastes. Au plus profond de la forêt, les pygmées règnent en maître sur un environnement pourtant hostile. Au nord, à 1000 km de là, les Mousgoum, géants de plus de 2 mètres, édifient leur case obus pour combattre l'aridité du climat. Les peuples du littoral vivent de la mer, redoutant la violence des vagues et les caprices des génies de l'eau. Ceux de la savane, au contraire, les supplient de leur accorder quelques gouttes et creusent sans relâche les puits de leur survie. Sédentaires et commerçants, les Bamiléké de l'Ouest sont enracinés dans des traditions immuables. Costumés et masqués, ils dansent au son des tam-tams et des balafons. À quelques kilomètres à peine, l'existence des bororos, véritables gitans de l'Afrique, se passe au rythme du troupeau et de sa perpétuelle errance. Quant aux Kirdis, ces païens qui ont fui les invasions islamiques, ils vivent libres, mais pauvres, dans leur case de terre battue, sous l'autorité du chef qu'ils se sont donné. Les musulmans foulbés, eux, ne reconnaissent d'autre pouvoir que celui des lamidos, sultans d'un autre âge, protégés par leurs esclaves, leurs gardes du corps et leurs cavaliers. Douala, cinquième port d'Afrique francophone, ville grouillante et tentaculaire, ne peut faire oublier les vastes territoires inhabités du nord et du sud, où le moindre safari prend des allures d'expédition. Et la capitale du Cameroun, Yaoundé, à l'architecture futuriste et aux constructions de prestige, ne semble pas appartenir au même monde que celui des tribus perdues de la brousse, qui parfois n'ont jamais vu d'homme blanc. Dans cette extraordinaire mosaïque de paysages et de peuples, ce qui partout ailleurs ne serait qu'anarchie est au contraire facteur de cohésion. Le Cameroun est en effet paradoxalement un pays stable, qui s'ouvre à la démocratie en parvenant à éviter les crises et les conflits qui affectent trop souvent le continent noir. Peu connu des touristes, le Cameroun a su préserver une authenticité et une richesse de tradition qui en font à lui seul un véritable résumé de toute l'Afrique. Du Gabon jusqu'au Tchad, de la forêt dense jusqu'au Sahel,
se succèdent tous les types de climats et donc de végétation. La faune qui peuple ces territoires affiche aussi par la force des choses la même diversité. Et les hommes venus y vivre s'y sont adaptés, en conservant leurs coutumes spécifiques et en renforçant leurs identités culturelles. À Ouaza, parc national de 170 000 hectares, une multitude d'animaux évolue en toute liberté. En avril, la canicule atteint des températures extrêmes et la sécheresse peut avoir des conséquences dramatiques. Les mares sont alors ravitaillées par camions-citernes. Tout au long de l'année, une surveillance permanente et discrète protège du braconnage la faune des parcs naturels du Cameroun. Le pays Kapsiki offre un panorama unique en son genre. Hérissé de digues qui sont autant de cheminées volcaniques dégagées par l'érosion des siècles, son aspect lunaire est au diapason des secrets de ses sorciers. Les Kapsiki veillent jalousement sur leurs traditions et n'en livrent que le côté superficiel aux visiteurs de passage. Avec la complicité d'un crabe de maillot, le sorcier du village se fait fort de prédire l'avenir. Il interprète les modifications de l'alignement de petits morceaux de bois que provoquent les déplacements du crabe. Les danseurs traditionnels font revivre les ardeurs guerrières du passé, quand il fallait repousser les envahisseurs venus du Nigeria tout proche. Et les artisans locaux perpétuent un savoir-faire ancestral qui continue à défier le temps. Les Podoko ont découpé les montagnes en terrasses afin d'enrayer le ravinement des pluies. Envers et contre tout, ils parviennent ainsi à faire pousser le mil et l'arachide. La danse des moissons procède d'un rite incontournable, sans lequel il serait vain d'espérer une abondante récolte.
Ici, la polygamie est tout aussi traditionnelle. Ce sont les 49 épouses du chef qui se relaient pour attirer sur le pays Podoko les faveurs des ancêtres disparus. Les rizières apportent la prospérité, mais aussi la disparition de l'habitat traditionnel, trop long à réaliser. À l'origine peuple de pêcheurs, les mousgoums n'ont plus assez de temps à consacrer à leur habitation, qu'ils délaissent peu à peu au profit de cases plus classiques. L'épervier reste la méthode de pêche la plus répandue tout au long des rives du Logon et du Chari. La présence de crocodiles rappelle que la brousse peut être dangereuse et qu'elle est loin d'avoir été colonisée par les hommes. Pour de nombreuses populations du Nord Cameroun, la cueillette du coton représente une ressource appréciable. Les récoltes s'échelonnent sur les premiers mois de l'année et toutes les productions, même celles des villages reculés, convergent vers les principaux points de collecte. Loin des préoccupations des Kado, les non-peuls qui ont choisi de travailler la terre, les Bororo parcourent inlassablement la savane. Le temps n'est plus où ils conduisaient fièrement des troupeaux de 2 à 3000 têtes. Mais, toujours épris de liberté et de grands espaces, ils continuent à ignorer les passeports et les frontières. Naturellement élégants, les Bororo observent un code d'honneur très rigoureux et ont le culte de la beauté. Chaque année, les clans du Cameroun et des pays voisins se retrouvent à la même époque pour de grandes confrontations rituelles. Celle du Saoro, le bâton en dialecte peul, emblème des bergers nomades, est à la fois une initiation marquant le passage à l'état adulte et une épreuve permettant d'afficher son courage et son mépris de la douleur. En brandissant un miroir dans lequel il s'observe, seul, face à lui-même, le jeune Paul se fait bastonner volontairement par un membre du clan adverse, auquel il rendra coup pour coup 5 jours plus tard. Il ne doit montrer aucune défaillance et affronte sereinement les coups les plus violents, asséné avec un bâton de tamarin à la fois souple et très dur. Mais la force et la répétition des coups entraînent parfois la mort d'un adolescent toujours soucieux d'aller plus loin dans son désir de se surpasser aux yeux de tous.
Les parcs de la Bénoué et de Boubajida, véritables sanctuaires de la vie sauvage, abritent d'importantes colonies d'hippopotames ainsi que de nombreuses variétés d'antilopes et d'oiseaux. Plusieurs centaines de kilomètres de pistes permettent de sillonner les réserves en tous sens et garantissent d'inoubliables rencontres. Au centre du pays, l'Adamawa évoque l'Auvergne et ses volcans endormis. De part et d'autre des pistes de latérite, les lacs de cratères alternent avec les étendues verdoyantes, les dômes volcaniques et les chutes d'eau spectaculaires. Alors que la plupart des peuples isolés demeurent animistes, le nord et le centre du Cameroun sont principalement de religion musulmane, placé sous l'autorité d'un lamido, chef spirituel et religieux, seul détenteur du pouvoir coutumier. Le vendredi, jour de la grande prière, est aussi celui où le lamido apparaît en public pour se rendre solennellement à la mosquée. Tout au long de l'année, défilés en grande pompe, cortèges somptueux et fantasias grandioses se succèdent. Ces démonstrations de puissance, loin de n'être qu'un spectacle folklorique, sont destinées à prouver l'influence du lamido et à conforter une autorité qui s'exerce toujours d'une façon presque féodale sur des centaines de milliers de sujets. L'administration officielle, dont l'organisation est issue de la colonisation française, doit composer avec ses pouvoirs traditionnels intacts, qui changent de forme au gré des régions. Chez les Bamoun, c'est un sultan qui règne en maître incontesté sur tout le pays. Devant son étonnant palais, se déroulent régulièrement des cérémonies d'allégeance au cours desquels ses notables, ses serviteurs et ses sujets viennent lui rendre hommage. En pays Bamileke, où l'on obéit cette fois-ci au faune, l'organisation sociale est basée sur les chefferies, dont certaines sont de véritables petits royaumes. Sociétés secrètes, milices, guérisseurs au pouvoir magique et sorciers redoutables sont de mise dans cette région à part, difficilement pénétrable aux étrangers. C'est l'Afrique des masques et des danses, où les tam-tams à l'origine mystérieuse continuent de rythmer les grands événements de la vie. Mais au-delà de leur attachement aux traditions, les Bamileke sont parfaitement implantés dans le monde moderne. Commerçants dans l'âme, ils détiennent un véritable pouvoir économique et exercent leur influence bien au-delà de leur province de l'Ouest.
Le littoral cultive une autre image cliché de l'Afrique noire, celle des plages de sable fin bordées d'inévitables cocotiers. Sur près de 300 km, elles sont occupées par des populations de pêcheurs. Les chutes de la Lobé, aux allures de modestes cascades, sont pourtant un phénomène hors du commun. C'est le seul endroit de la planète où une rivière se jette directement dans la mer par une chute. Un labyrinthe de rivières entrecoupées de mangroves et de marécages conduit à l'intérieur pour ensuite pénétrer au cœur de la forêt. Ici, l'aventure est encore possible, et rencontrer les habitants de la forêt profonde permet de mieux imaginer ce qu'était, voici encore quelques décennies, l'exploration du continent africain. Les pygmées Baka sont un des derniers peuples authentiques connus. Dépendant de la forêt qui les isole, mais en même temps les protège, ils sont parvenus à maîtriser un environnement pourtant hostile. En perpétuel déplacement, les Baka vivent de chasse, de cueillette et recherchent le miel ou les gros vers blancs qu'ils consomment crus. Depuis des siècles, leur mode de vie est demeuré intact. Mais au-delà des arbres géants, se profile l'ombre des chantiers d'autoroutes et des buildings en béton. Certains Baka, devenus sédentaires, ont déjà renoncé à tout jamais à leur vie de chasseurs nomades. Heureusement, beaucoup restent encore fidèles à Jingi, l'esprit de la forêt, dont ils ont fait leur dieu et qui continue à les guider. Intelligents, accueillants et pleins d'humour, les Baka vivent en parfaite harmonie avec la grande forêt. Sûrs d'eux-mêmes, ils n'envient absolument pas leurs rares visiteurs et encore moins les Blancs. Pour les Pygmées, conscients de l'importance de leurs racines, de même que pour tous les autres peuples du pays, c'est finalement le maintien envers et contre tout de leur tradition qui est le ciment de leur société et le garant de leur survie. Dans un monde troublé, au futur incertain, cette conscience instinctive est sans doute le meilleur atout du Cameroun, pays aux innombrables facettes, mais à l'avenir prometteur.
la mamma est la mamma.